Pour booster davantage le secteur du tourisme, je pense que des dispositions sont prises au niveau étatique. Mais toutefois, moi je pense que nous devons surtout travailler à desservir l'aéroport de Saint-Louis. Non seulement desservir l'aéroport de Saint-Louis, mais le deuxième élément, il faut accentuer la promotion de la destination nord. N'est-ce pas? Quand nous allons, si nous accentons la promotion de la destination nord et lutter également contre l'insalubrité, voici des facteurs déterminants qui peuvent jouer au faveur du tourisme saint-louisien. Et l'autre élément fondamental qu'il faut noter, aujourd'hui, on célèbre la journée avec le syndicat d'initiative. Donc l'engagement de tous les acteurs du tourisme autour du service, autour de l'État, me permet d'espérer des lendemains meilleurs pour le tourisme de Saint-Louis. Les autorités municipales, nous voyons ce qu'ils font. Mais il y a un programme beaucoup plus intéressant, le programme de développement touristique de Saint-Louis. Avec ce programme, on a enregistré 2 bennes tasseuses. On a également reçu 300 poubelles de 120 litres qui seront mis tout autour de l'île pour collecter les déchets. Il y a l'autre élément. On a même, par rapport au projet du centre d'enfouissement technique, le projet est en avance. Donc, le thème de cette année est promouvoir le tourisme pour tous. Ça, je pense que c'est l'atout. Le tourisme a été pendant plusieurs années la première place dans l'économie du pays. Et là, avec la nouvelle équipe, avec le ministère du Tourisme, on est en train de se battre parce que Saint-Louis a tous les atouts pour accueillir, pour redevenir ce que c'était avant. Et le tourisme pour tous, ça concerne tout le monde. Du chauffeur de taxi, de la vendeuse de poissons, le vendeur dans la rue, ça concerne tout le monde. Donc je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette, qu'on arrive à redevenir ce qu'on était avant, que Saint-Louis revise les anciennes années qu'elle vivait avant pour qu'il y ait le maximum de que la destination soit vraiment comme avant, qu'il y ait plus de touristes, plus de visibilité aussi sur le PDT. Nous, on vient d'arriver, on a pris le train en marche, le projet est là, on a envie vraiment de relancer la destination. Ce qui manque à Saint-Louis, c'est la promotion.